Un rat roussard est bien suffisant pour nos deux futurs assassins. Mais pour leur mère, un autre rongeur alpin représente la proie ultime. Le rat taupe géant. À près d'un kilo, c'est un repas un peu plus consistant pour un loup adulte. Les rats taupes géants passent moins d'une heure par jour à fouiller la terre en surface, n'émergeant que pour de courts instants. Ils s'éloignent rarement à plus d'une dizaine de centimètres de leur terrier et se retirent sous terre à chaque bouchée. La femelle abandonne à nouveau ses petits pour retourner chasser. Son odorat est jusqu'à 100 000 fois plus développé que celui des humains. Depuis l'autre bout du plateau, elle repère une proie potentielle. Sans aucune couverture pour dissimuler son approche, la stratégie est primordiale. Elle choisit toujours le meilleur moment pour avancer, quand le rat taupe retourne dans son terrier pour manger. Il est trop tard quand le rat taupe l'aperçoit. Elle parvient à l'attraper avant qu'il ne se réfugie trop loin sous terre.